Ça y est, le grand jour est arrivé. Je suis partie, je viens de passer la sécurité, me voilà toute seule. Et pour l'instant, tout se passe bien. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, il est 6h20. J'embarque à 7h35, donc j'ai largement le temps. Je me suis laissée tenter par un Starbucks.
Alors, pour un peu vous expliquer toutes mes aventures depuis mon arrivée à Helsinki, le vol globalement s'est bien passé. Mais en arrivant à l'aéroport d'Helsinki, je me suis retrouvée sans mes bagages. Donc du coup, très bonne surprise. Il a fallu que je me débrouille pour acheter de quoi me débrouiller pendant les quelques jours sans mes valises. Et donc du coup, j'ai pas pris la peine de filmer Helsinki et d'ailleurs de visiter comme j'aurais voulu le faire. Mais bon, c'est pas très grave parce que c'est pas super loin et facile d'accès en train, donc j'y retournerai certainement rapidement. Autrement, je suis arrivée à Imatra. Quelqu'un m'attendait à la gare pour aller chercher les clés avec moi et m'amener jusqu'à mon logement. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment génial. Ils sont vraiment bien organisés à ce niveau-là. Maintenant j'ai les clés de mon logement, il est vraiment très bien et je suis dans le centre de Imatra et je vais aller m'acheter de quoi manger et pour le reste j'espère que j'aurai bientôt mes bagages. Ça a été pas facile d'avoir des informations mais visiblement je les aurai d'ici mardi, donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème avec la livraison. Et que d'ici là, j'arriverai à me débrouiller, mais bon, je pense que oui. Voilà. Alors, on est lundi 28 août. J'ai pas du tout filmé du week-end parce que j'ai rien fait d'intéressant à part les courses. Et donc, j'étais censée recevoir mes bagages demain. Et finalement, je les ai aujourd'hui. Donc, je suis super contente de les avoir un jour à l'avance. Enfin, à l'avance, on se comprend. Et j'ai vraiment eu de la chance parce qu'à la base, comme ils étaient prévus pour demain, je suis allée en centre-ville pour aller signer mes papiers pour le logement. Et le livreur m'a téléphoné à ce moment-là, sauf que c'est à 45 minutes d'ici. Mais il a été super sympa et il est venu me chercher en centre-ville et il a déposé mes bagages. Dès que j'aurai tout installé, je vous montrerai ça. Comme ça, vous aurez une idée dans quoi je vais vivre pendant... pendant 9 mois, mais franchement, l'appart est super. Je viens de vous montrer un peu le lac qu'il y a à Imatra. C'est vraiment génial d'avoir cette nature préservée à quelques pas du centre. C'est vraiment tout ce que j'aime de la Finlande. Et c'est ça qui me montre que j'ai vraiment fait le bon choix pour cette destination. C'est vraiment magnifique. C'est très apaisant. Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on est mercredi 30 août
Je vais vous filmer un petit peu ma journée parce que bon, maintenant je suis installée, donc voilà, j'ai déjà repris mes repères, tout ça. Là je suis en route pour aller faire quelques courses. Tous les gros supermarchés sont en fait à 25 minutes à pied de mon logement, mais bon, ça me dérange pas trop. Ça me fait une sortie, un petit peu de marche, de sport, voilà, voilà. J'ai déjà commencé à monter le vlog de mon premier jour, mais je suis pas satisfaite, du coup je pense que je vais le recommencer et je vais compiler toute ma première semaine ici dans un seul vlog et vous verrez tout ça prochainement. Enfin forcément, là je vous parle en direct, mais vous verrez ça au moment où je publierai le vlog, mais bon, je me suis décidée à tout faire d'un coup. Donc voilà, je vais marcher jusqu'au supermarché et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je peux remarquer qu'il y avait quand même pas mal de gens qui vivent en appartement en Finlande. C'est assez spécial parce que bon, on est quand même dans une petite ville avec beaucoup de végétation autour, tout ça. Mais il y a quand même beaucoup d'appartements. C'est surprenant, on va dire. Avec quand même pas mal de choix. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a quand même pas mal de nourriture du monde, donc c'est chouette, c'est assez varié. Mais à côté de tout ce qui est nourriture, bah, on retrouve aussi énormément de choses pour la maison, ustensiles de cuisine, électronique, linge de lit. Enfin, à chaque fois, on peut trouver de tout dans des prix, ma foi, assez raisonnables. Et beaucoup de gens achètent aussi des vêtements, supermarché. Et ça ressemble un peu à tout ce qui est hypermarché Carrefour. Voilà, je viens de faire les courses. Je vous cache pas que c'est vite lourd. Et donc du coup, 25 minutes, bah, ça fait du bon sport. Là, pour le retour, j'ai pas acheté énormément. J'en ai eu pour 20 euros. Mais bon, des paquetteries, de pâtes, du lait, ça pèse vite lourd. Donc voilà, l'idéal ce serait que je trouve un vélo assez rapidement parce que ça me faciliterait quand même assez bien la vie pour faire les courses et même pour aller en cours. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que en fait tout le complexe commercial avec enfin, tous les magasins quoi, juste à côté, un peu plus loin, l'université est là en fait, donc ça c'est pratique parce que bon, si j'ai des courses à faire, ben, c'est sur le chemin en revenant des cours. Et en plus de ça, la plupart des magasins ouvrent jusqu'à 21h, donc j'ai même pas à stresser au niveau de l'horaire, donc ça c'est assez facile.
Ben moi, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures. Et je vous dis à la prochaine !